Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre votre religion par la meilleure compréhension. Et bienvenue dans ce cours de At-Tawhid, cours qui nous permet de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et attributs. Nous sommes toujours avec notre document, Shurutu la ilaha illallah, les conditions de l'attestation, édité par notre éminent cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes aujourd'hui au niveau de la septième condition. La septième condition qui est al-qabulu, l'acceptation. L'acceptation, le fait d'accepter les implications de la ilaha illallah. Les implications de la ilaha illallah. Nous savons que la ilaha illallah signifie adorer Allah seul sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Donc, c'est lui seul qui a droit à cette adoration, car c'est lui seul qui a créé, c'est lui seul qui gère. Donc, lui seul a droit donc à l'adoration. Et la septième condition, c'est l'acceptation. Al-qabulu al-munafi lirad. Donc, le contraire du rejet. Le contraire du rejet. C'est pourquoi le cheikh, il va dire ici l'acceptation de ce qu'implique cette parole par le cœur et avec la langue. Et ceci s'oppose au rejet. Donc, ne pas rejeter ce que la ilaha illallah va impliquer. Et nous avons donné, nous avons dit, nous avons cité ici ce que la ilaha illallah implique. Et il dit, c'est-à-dire l'acceptation de ce qu'elle implique comme sincérité exclusive dans l'adoration d'Allah seul. Donc, il faut être sincère dans tes adorations. Autrement dit, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans shirk, sans l'associer à qui que ce soit un prophète, que ce soit un ange. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Donc, lui seul a droit à l'adoration. Et le cher Rahimahullah, il a cité des versets et des hadiths qui justifient cette condition qui est l'acceptation. Et le premier verset que le cher va citer, c'est ce verset de la sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire « وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِيَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il va dire « Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi, Muhammad, d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés, ces gens qui sont dans la ni'ma, des gens qui sont dans l'aisance, qui ont le pouvoir, qui ont la richesse, qui ont la parole, qui ont l'autorité, sans que ces gens nous disent « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion ». Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Nous suivons leurs traces. Le messager dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, même si ce que j'ai envoyé est meilleur que ce que vos ancêtres ont fait, normalement, il devait être dire, d'accord, nous allons voir ce que vous avez envoyé. Voir, oui, et trouver que c'est meilleur. Abandonner ce qu'ils ont trouvé et suivre ce que le messager a envoyé. Mais ça n'a pas été le cas. Écoutez ce qu'ils vont dire. Ils disent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyé. C'est là le problème. Donc il y a l'orgueil, il y a le rejet. Il rejette catégoriquement ce que les prophètes, ont envoyé. Alors, Allah dit, nous nous vengeâmes d'eux.
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Nous nous vengeâmes d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Le fait de démentir ce que les messagers ont envoyé, ce que les oulémas nous disent, car les oulémas nous citent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au Mouratatul Anbiya, c'est eux les héritiers du messager. C'est eux qui ont hérité ce message envoyé par ces messagers. Donc tout ce qu'ils nous disent, c'est ce que les messagers ont prôné. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de démentir ces messagers ou ces savants, ces oulémas qui nous dictent la parole d'Allah et la parole des messagers est une chose très grave. Car Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens, ils se vengent d'eux. Il dit, nous nous vengeons d'eux. Regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. Et fantaqamna minhum fandur kayfa kana aqibatul mukadibin. Ce premier verset nous dit que les messagers étaient venus. Ils ont appelé vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la ilaha illallah. Il y a des gens qui ont refusé. Et quand on refuse, on s'expose à du châtiment. Qu'Allah nous en préserve. Il faut donc accepter la ilaha illallah. Deuxième verset cité par le cher dans ce chapitre ou dans cette septième condition est ce verset qui dit innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tahriku alihatina li sha'irin majnun. Regardez, il dit quand on leur disait point de divinité à part Allah, abandonnez ces idoles, adorez Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est lui seul qui vous a créé, c'est lui seul qui donne la vie, c'est lui seul qui donne la mort, c'est lui seul qui donne la subsistance, adorez Allah seul et abandonnez vos idoles, regardez, il se gonflait d'orgueil, et il disait allons-nous abandonner nos divinités pour un poète? Ils ne sont pas limités là. Fou. Sha'ir majnun. Allons-nous abandonner ces divinités, ces idoles, à cause d'un poète qui est d'ailleurs un fou? Vous voyez combien de fois ils ont minimisé ce message. Alors que ce messager était Al-Amin, était la meilleure personne. Selon eux, avant son message. Mais après le message, ils le voyaient comme étant le pire. On le qualifiait de poète, on le qualifiait de majnoun, de fou. Alors voyez là, ce refus catégorique de ces gens. Mais quel a été le résultat? Ça n'a pas été un bon résultat pour ceux qui n'ont pas accepté après. Nous connaissons la Sira, nous connaissons... Et comment les choses se sont passées à la Mecque. Des gens qui n'avaient pas accepté, qui ont nui ce messager de la sallam, qui ont mis des barrières sur son chemin. Alors, il faut faire beaucoup attention. Il faudrait accepter la ilaha illallah, accepter ce qu'implique la ilaha illallah, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Sans shirk, sans riya, sans ostentation. Tout ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu le fais pour qu'Allah soit satisfait de toi. Nous voyons à travers ces deux versets que l'acceptation de ce message, l'acceptation de la ilaha illallah, l'acceptation de ce que cette parole implique est une condition pour que la ilaha illallah soit bénéfique. Alors, nous allons, inshallah, à travers le prochain cours, citer ce hadith de la sunna aussi qui va venir et consolider ce que nous venons de dire. Alors nous avons eu des preuves du Coran que l'acceptation est une condition de la ilaha illallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela et qu'il nous fasse accepter, qu'il nous facilite cela, qu'il bénisse tout ce que nous faisons. Barakallahu fikum jami'an wa ila al-liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.